Salut. Donc là, je vais commencer le scénario du troisième personnage. Je vais faire 2 jours chacun pour commencer, hein, je vous l'avais dit. Donc, troisième perso, Silent. Moi, je croyais que c'était sur Lent, mais apparemment, je me suis trompé. J'ai regardé dans la musique du jeu et ça met sur Lent. Donc, je vais le renommer du coup. Ah, ça, c'est mon scénario préféré. C'est un scientifique en fait, le perso. Vous verrez pourquoi c'est mon scénario préféré. Parce qu'il arrive un truc. Jamais vu ça dans aucun RPG. C'est pas pour tout de suite. Hein. Je vous dirai quand. Enfin, je peux pas vous spoiler, donc je vous dirai. Quand ça sera le truc dont je parle. Ouais, rien que ça, hein, le Saint Graal. Bon, ça n'a aucun rapport avec le Saint Graal, hein, qu'on connaît. On a le choix. Là, pareil, le thème de la carte, pareil que le boss. Enfin, je vais pas me répéter à chaque fois. Ouais. Donc, là, je vais faire une requête de Delnix. Tu m'as demandé Yu-Gi-Oh! Hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est un manga. Il est assez connu en France, hein. Un manga avec des cartes. Yu-Gi-Oh, voilà. Ok. Il m'avait dit un autre truc. Je me rappelle plus du tout ce que c'est, donc je verrai à la prochaine vidéo. Donc on va utiliser Yu-Gi-Oh direct. Ok. Oh, c'est pas très beau, mais c'est assez puissant apparemment. Ça, c'est la ville. Il faut pas aller là. Faut aller ici. Ah, vous voyez les armes assez variées. C'est des cannes. Risa, c'était des arcs et des épées. Ce sont des épées à deux mains. Et un peu de tout, des masses pour l'ogre. Ah oui, on les voit souvent, c'est deux voleurs. Ah, c'est marrant. Ouais, si vous arrivez à faire des bons pareil, vous m'appelez. Hein. Ah là, les vieux bruits de chat. Là. Ça, c'est marrant. Donc ouais, Yu-Gi-Oh est assez puissant apparemment, pas très cher. Donc ouais, avec Nogan Fugger, on a fait des sorts. Donc on a tout d'abord refait le sort Uematsu.
C'est le compositeur de musique de Final Fantasy. Voilà, ma. So. Ça fait des dommages de vent sur une personne. On a ensuite fait Sakuraba. Tous les deux, on préfère Sakuraba ou Ematsu, hein, de toute façon. Et là, ça nous confirme, vous allez voir. Sakura. Là, ça fait des dommages de vent sur tous. Alors, c'est très très cher. 19, l'autre c'est 8. Hein. Bon, c'est beaucoup plus puissant. Donc voilà la preuve par RNH. La preuve par RNH que Sakuraba est meilleur que Uematsu. Ouais, RNH c'est une super. C'est un truc pour prouver, mais c'est pire que la preuve par 9, quoi. Tu peux prouver n'importe quoi avec ça. Super comparaison, ça. Et moi il se casse au dernier moment. T'sais. Donc là où j'avais dit que c'était des voleurs. Hein. Là ils sont cons bien sûr, ils vont sur le gars au lieu d'attraper le voleur. Genre le Saint Graal c'est juste un petit truc de merde dans un coffre. Super bien protégé en plus. Alors il y a des gardes à l'entrée, ils ont rien remarqué. Et là il n'y a rien du tout, à part un vieux. Je vais renommer ce nom parce que ça m'énerve. Est-ce qu'on peut déjà? Ah putain, on peut pas renommer son nom. Enfin, renommer ce nom, ça va plus connaître. Tiens, clé, c'est quoi ça? Ah, ok. Ouais. Attends, est-ce qu'il y a un citron en attendant que les voleurs partent? C'est le citron, hein, je dis ça comme ça. C'est quoi ça? C'est quoi ces trucs? Des lits ça? Ouais, bon. Tiens, ils nous attendent bien en plus, c'est ça qui m'éclate. Oh, ils font de ces bons, c'est des vrais singes les gars. T'sais. Ah, quand je vous disais que les voleurs ça avait de l'agilité. De quoi, qu'est-ce qu'il y a? Eux, t'sais, au lieu de les poursuivre, ils se grattent le cul, t'sais. Ah, ils bougent un peu. Ah! Tiens, allez voir. Ouais, c'est maintenant qu'ils nous le disent. On peut passer par où là du coup? Hop. Oui. C'est pas un appareil photo, c'est un orage. Oh, mais les chiens, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ouais, voilà. C'est trop tôt. Ah, yes. Ça, c'est du chien, ça. Ah, l'utilité publique. On peut boire dedans, ça. Oui, il m'éclate le chien. Le con. Ils sont vraiment nuls. Et du coup, on voit la pluie sur la carte. Ça, c'est pas trop mal fait au moins. Hop, jour 1. Attends, je vous montre les deux sorts. Là. Donc voilà, Sakuraba. Ouais, Uematsu, j'aurais pas le temps de le faire, je pense. Enfin, je vais essayer quand même.
Sakuraba, c'est très puissant. Hein. Vous allez voir les dégâts. C'est pas, ouais, c'est pas de la merde, hein, c'est Sakuraba quand même. D'ailleurs, je me rappelle plus du nom du celui qui a fait la musique de RNH. Et là, je vous montre Uematsu. Ouais, beaucoup moins puissant. Enfin, ça fait quand même beaucoup de dégâts. Hein. C'est quand même deux grands compositeurs, quoi. C'est... un peu. Je crois que je vais bientôt terminer la vidéo pour pas faire deux jours à la fois. Enfin, maintenant je fais ça et puis plus tard ça sera le contraire, hein. Je vais refaire plusieurs vidéos pour un seul jour. C'est quoi ce rendez-vous de merde? Ouais, tu vois, là il parle de la Tour des Braves par exemple. Là où il y a Sion. Elle est ouverte toujours. Ah, c'est exactement ça. Donc ouais, ça c'est un truc en bateau. Là on peut faire ça. On peut voir la carte. Tanelf, c'est là où il y a la tour du tour des bras, là où il y a Sion. Là il y a la stèle là. Ouais, Pierre Lago, c'est là où. Par exemple à Billiger, la vidéo de son, c'est quoi, le boss. Il sortait d'une pierre Pierre Lago. Là, il lui faut un moteur. Donc ouais, j'ai terminé la vidéo ici, il n'y avait pas grand chose, hein, c'est l'intro du jeu. Bon, il y a trois intros dans le jeu, hein, c'est chiant, je sais. Il faut bien pour l'histoire. Donc je vais terminer cette vidéo ici. Je vais ensuite faire la tour des braves avec Sion et revenir ici pour Salent. Donc hop, je sauvegarde et je quitte. Voilà, donc à la prochaine vidéo, je vais de retrouver le sort de Delmix. Et n'hésitez pas à faire vos propres requêtes. Salut!